De France, c'est le tour de l'Anjou. On est à Angers là, ça a parté les mythes. Je vais y arriver. Les vers sont là, ils sont vides, mais je vais y arriver. Je veux dire, c'est le mythe de Sisyphe. C'est Vin et compagnie, c'est un événement tout à fait exceptionnel organisé par la compagnie Jobitum. Jobitum, spectacle vivant, théâtre de rue et sportif. Deux jours pour ravir les yeux, les oreilles et les papilles. Au printemps triomphant de la mi-avril, tous les sens découvrent, en tirant le fil qui lie spectacle, gastronomie et vigne, un mariage heureux, simple, naturel et bon, entre quatre cuistots, plein d'artistes et 30 vignerons. Tous des artisans, fiers d'être angevins, aimant à donner aux gens les fruits de leurs mains. En fait, c'est une rencontre entre trois mondes un peu, le milieu du vin, plutôt nature, biologique, tout ça, avec deux associations, Anjou Connexion et les Angevins, une compagnie, enfin, des cuisiniers angevins qui travaillent de la façon dont on aime, et puis nous, la compagnie Jobitum, avec le théâtre de rue, les spectacles, tout ça. Voilà. Des betteraves! Excellente idée! Eh bien, moi, j'ai mieux à vous proposer. C'est une idée que j'avais, moi, depuis quelques temps déjà, parce que je fréquentais un peu les salons autour du vin. Moi, évidemment, les vins nature, ça me cause vraiment beaucoup. Et puis, il y a un salon à Rennes qui s'appelait Vinicircus. Je connaissais tout ça. Bon, voilà, puis je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas ça à Angers? Voilà René Moss, bonjour René, comment ça va? Je suis pas René. C'est pas René, mais vous êtes qui vous alors? Son voisin. Le voisin, très bien le voisin, ça marche aussi le voisin. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie vous Jacques là? J'essaye d'être vigneron. C'est bien, vous y arrivez non? Oui. Moi je veux vous savoir s'il est vraiment vigneron. Vous avez un petit, je vais tester, voir. Ah oui, au VNB on est vraiment d'une rigueur implacable. C'est un livre sur les vignerons d'Anjou qui sont en bio, biodynamie et vin nature, donc 43 vignerons. On a la chance en Anjou d'avoir énormément de vignerons en fait, qui travaillent de manière différente et je voulais mettre en avant leur travail, réaliser leur portrait. C'est un peu une fête déjà, c'est pour le plaisir. On se connaît tous les restaurateurs d'Angers, on connaît très bien les vignerons qui sont là, on connaît d'autres exposants, etc. Donc c'est l'histoire de se retrouver ensemble. Ça va Benoît? Très bien, et toi? Ah bah écoute, en pleine forme puisqu'on a des trucs là plein partout. Pourquoi tu participes à cet événement? Ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Bah en fait c'est une belle festivité où on allie vin, spectacle, concert. C'est vachement artistique et l'ambiance est super bonne. On attire plein de gens différents, autres qui sont toujours dans le vin, donc c'est super intéressant. On est vraiment ravis d'être avec vous.